Bonjour, je suis le démolisseur. J'ai mis longtemps à faire mon trou, mais c'est fini, c'est le bout du tunnel. Ce monde sera le mien, et je régnerai sur la surface depuis les entrailles de la Terre. Qui c'est ce type? Je vous écraserai tous dans mon coin. J'en sais rien, mais il a mal choisi son moment. Ça va faire mal. Tremblez devant la terrible attaque du démolisseur. Jerry, les enfants et toi, arrêtez ces foreuses. Nous, on s'occupe du démolisseur. Hey, attention, attention. Bien, 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 nous voilà repartis pour un nouveau let's play, hein. Apparemment, hein, on dirait. Eh bien, salut à tous et donc bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, le premier épisode de notre let's play sur les indestructibles. Attendez, hop. Hop là, vous avez vu, vite fait, ma souris, voilà, là, c'est bon, je peux bien contrôler le bonhomme. Donc, premier épisode de un nouveau let's play, un let's play sur les indestructibles, donc les indestructibles la terrible attaque du démolisseur, un titre un peu à rallonge, mais pour un jeu qui est toutefois quand même bien sympathique. Alors vous allez voir un peu en quoi cela consiste. Bon, c'est un jeu qui est sorti à genre une quinzaine d'années, ouais, on va dire ça comme ça. Un jeu qui est sorti il y a 15 ans, plus ou moins, et qui est bien sympathique à jouer. On est sur un jeu de style, bon, un peu super-héros, mais qui change, hein. C'est pas un héros de l'univers Spider-Man ou Wolverine, enfin pas un truc de chez Marvel ou de chez DC. C'est un autre univers, un peu l'univers Pixar, on va dire, et c'est quand même pas mal, ça change un peu, quand même, c'est sympathique. Et également, c'est un jeu qui est du style, alors, aventure, du coup, et également beat'em all, vu que là, on va avoir pas mal d'ennemis, en fait, également dans le jeu à éclater. On a un bestiaire relativement varié. Là, les premiers ennemis qu'on a ici, bon, ce type d'ennemis là particulièrement, ce sont des ennemis qui sont assez simples à battre, mais il y en a d'autres qui sont plus coriaces. C'est un jeu auquel, enfin, que j'avais déjà eu en vrai, hein, sur la vraie PS2 d'antan, que j'ai toujours d'ailleurs, même si elle fonctionne à peu près maintenant, on va dire. Mais c'était un jeu que j'avais eu par mon cousin à l'époque, que j'avais adoré, hein, que j'avais déjà fini à l'époque. Là, je me suis rechopé de nouveau sur émulateur, je l'ai de nouveau saigné, là, D'ailleurs, je voulais... Malheureusement, j'y ai pensé qu'après coup, mais... Je me suis dit, pendant que j'y jouais, merde, oh, ce jeu, il me rappelle trop de souvenirs, je devrais en faire un let's play et tout, mais j'y ai pensé qu'après, et j'avais déjà bien avancé dans le jeu, donc du coup... Ouais, j'ai déjà fini le jeu... Avant que je fasse ce let's play, déjà, sachez-le. Donc du coup, bon, je connais déjà les passages ardus qu'on pourrait avoir dans le jeu. Enfin, après, le jeu en lui-même n'est pas vraiment difficile, en fait, mais si vous cherchez à avoir les objectifs secondaires, comme là, par exemple, là, ici, là, s'il y a un mur qu'on peut éclater, en fait, et il y a un bonus à récupérer ici. Bon, là, vous ne voyez pas, vu que je l'ai déjà récupéré. Mais il y a un bonus à récupérer ici, juste derrière, en éclatant le mur. On peut également, dans ce jeu, donc vous voyez, changer de personnage. Donc on peut incarner à tour de rôle, donc soit Marc, Mister Indestructible, ou Frozone, en appuyant sur la flèche du haut, en fait, du pavé directionnel. Ce qui est bien sympathique, et ce qui permet également de faire l'histoire du jeu à deux. Alors bien sûr, en local, donc c'est un vieux jeu de l'époque, PS2, voilà, c'est le multi, c'était sur le même canap à l'époque, voilà, c'était pas le online comme on a aujourd'hui maintenant, mais c'était aussi de l'époque où le multi était gratuit, j'ai envie de dire. Pas comme maintenant. Non, je dis ça, je dis rien. Enfin, sauf si vous êtes PCiste. Là, forcément, ça, c'est autre chose. C'est bien plus pratique. Donc déjà, un ennemi, c'est bien plus pratique. Ça se dit même pas. Je viens de réaliser.
Là, vous venez de voir, bon, je l'ai éclaté assez rapidement, mais là, ça, c'est un des gros ennemis qu'on a dans le jeu, qui sont bien résistants, même si là, bon, je l'ai fumé assez rapidement, mais faut dire, voilà, comme j'ai déjà fini le jeu une première fois avant, bah, du coup, j'ai déjà amélioré les bonhommes, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer en vite fait. Vous voyez ici, il y a comme, on va dire, une sorte d'arbre de compétences, en fait, voilà, en ce qui concerne la santé, les coups de poing, voilà, l'indestructible choc, bon, c'est quand on fait un saut plus une attaque, hein. C'est, enfin, voilà, selon les différentes, on va dire, caractéristiques, on peut améliorer nos performances sur chacune d'entre elles, qu'on obtient par des points d'expérience. Et en vrai, de toute manière, si vous finissez une première fois l'histoire du jeu, obligatoirement vous aurez tous les points d'amélioration qui vous permettront de avoir toutes les améliorations directement à l'issue de la première fois que vous faites la campagne. Et ensuite, bon bah, forcément, là, je vous avais eu l'ennemi tout à l'heure, je l'ai éclaté en 2-2, alors que c'était un gros, hein, quand même un balèze. Et c'est parce que, bon, voilà, mais les bonhommes, là, je les ai déjà bien EP en réalité. Moi, j'adore quand même jouer avec Frozone, je peux vous dire, son pouvoir, là, du gel, là, franchement, en vrai, il est stylé. Lui, il a un pouvoir qui est quand même stylé, je trouve. En vrai, enfin, j'aime bien jouer avec Mister Indestructible, quand même, je dois dire. Mais en termes de vraiment de super pouvoir, celui de Frozone quand même il est plus stylé, je trouve. Hop, hop là, attention à pas se cramer. Hop, parfait. Oh non, t'inquiète, je prends les devants. Ah, bah par contre, vous voyez, ceux-là, ils sont pas évidents non plus. Si on fonce tête baissée direct dedans, bah, on se fait niquer. Eux, c'est mieux de les geler avant de les attaquer, sinon c'est plus compliqué. Ça, j'avoue, putain, cette attaque, oh, elle est trop bien, mais presque cheatée même. Même limite cheatée cette attaque là. Vous avez vu un petit peu là, combien de temps je peux rester en l'air là, avec mon surf, avec ma planche, regardez. Bon, là, il n'y a pas d'ennemis donc je reste pas longtemps en l'air, mais quand je percute des ennemis, à chaque fois que je percute, ça me reprojette en l'air en fait. Du coup, je peux rester infiniment en l'air si je continue à percuter plein de mecs tout autour. Alors ce let's play sera pas un long let's play également, hein, ce sera un petit let's play, un peu à l'image d'un autre jeu qui, bah, je sais pas si je vous aurais déjà mis à disposition les épisodes, mais il y aura un autre let's play du coup dans le courant de ce mois d'août normalement si tout se passe bien, qui est un petit let's play comme celui-ci, donc il y aura pas beaucoup d'épisodes, hein, on fera assez rapidement le tour du jeu. Allez, utilise ton Hulk là, utilise ta furie, voilà, ça c'est stylé. Encore, voilà, parfait. C'est quand même cool. Ah, ok, ils ont pas été détruits. Je vais m'occuper d'eux. Hop là, tac. Voilà, tac. Problème réglé, en 2-2. En deux temps, trois mouvements, je t'ai plié l'affaire. Et c'est la fin du niveau. Exactement. Tout droit, juste devant nous. Bien, bien, bien. On a plié la première mission en moins de 10 minutes. Ça, c'est impec. Alors, vous pouvez voir ici donc le récapitulatif du niveau par rapport aux dégâts donc, qui représentent des points. Tout simplement parce que vous pouvez voir ici, bon, vous voyez que j'ai déjà tout en vert terminé. Comme je vous ai dit, j'ai déjà terminé le jeu en long, en large et en travers. J'ai déjà tout accompli. Mais sinon, voilà, on a des objectifs de dégâts à atteindre pour chacun des personnages dans chacun des niveaux. Et bon, ça rajoute rien de spécial, mais c'est un objectif annexe. Et dans chaque niveau, c'est ça. On a également, ce que vous voyez, un vaincu en bas. En gros, c'est de finir le niveau sans crever une seule fois avec chacun des personnages. Donc voilà, s'il y en a un qui crève, mais que vous avez arrivé à garder l'autre vivant jusqu'à la fin, ça vous comptabilisera l'un, mais pas l'autre. Du coup, il faudra refaire le niveau avec l'autre sans crever. Et puis voilà, du coup, c'est cumulable. Tout simplement, vous n'êtes pas obligé de tout réussir d'une seule traite d'un seul coup, c'est cumulable, c'est bien plus pratique. Par contre, sur les points, pour les dégâts, en soi, c'est pas bien compliqué, mais sur certains niveaux, c'est assez retort, dont un particulièrement, mais plus vers la fin du jeu, donc je vous en reparlerai quand on y sera. On va continuer, donc bon, là, tout est déjà au max, donc bon, on passe. Les profondeurs infernales, niveau 2. Il a peut-être préparé son coup.
faut qu'on reste sur nos gardes. Ne sait-on jamais, après tout. Oui. Oh, cinématique direct. Ok, comment ça s'appelle? Ah, on nous présente un nouveau style d'ennemi. Ouais, celui-là, il m'a l'air assez piquante. Mais c'est parfait, j'aime quand c'est piquante. C'est parfait. Oh, il y en a un qui a popé derrière. Alors, je vais essayer de penser quand même à changer de personnage pour qu'on reste pas souvent avec le même. Là, je vais jouer encore un peu avec Frozone. Et après, je vais prendre Monsieur Indestructible. J'aime bien jouer avec Frozone. Franchement, même son attaque là, avec sa planche là, c'est trop stylé en vrai. Et on peut les enchaîner en l'air en plus, comme ça. Après, lui là, comme vous venez de voir là, il a une attaque bien stylée aussi là. Là, l'attaque qu'il vient de faire là, merde. J'avais pas vu qu'il y en avait encore un là. Dégagez, y'a rien à voir là. Bouge. Toi aussi, hop. Il est passé par-dessus la rambarde. Ah bah tiens, c'est l'occasion parfaite. Hop. Tiens, mange-toi ça. Oh bah c'est parfait, il est mort. On va geler tout ça. On va se faire un petit pont de glace. Parfait. Bah tiens, il y en a un autre là-bas. Je vais le bouffer à la même sauce. Tac, impec. Alors ça par contre, pour soulever les caisses, il n'y a que Marc, hein, Monsieur Indestructible, qui peut le faire. Hein. Merde, attends, on prend lui. Frozone n'est pas assez baraque pour pouvoir le faire. Oh, allez, éclate-moi ça, parfait. Parfait. Je vais essayer de me les faire également avec les caisses. Voilà, déjà un de fait. Tiens, il y a une autre caisse qui traîne ici, parfait. C'est au poil. Voilà. Ah, il est pas mort. Ah, t'es résistant, toi. Tu vas pas résister longtemps, je te le dis. Bien. Ah, on continue. Wow, tiens. Oh la vache. J'ai pris cher, j'ai pris tarif. Putain, j'étais pas sûr que ça passe. Aïe, putain, il m'a eu. Il m'a foiré. Ah, ceux-là. Aïe, quand en fait je fais l'attaque en sautant, faut que je fasse gaffe à pas tomber sur eux. Parce que si je tombe sur eux, bah je me prends. Je me prends leur sort de pique, quoi, en fait, quoi. Je me prends leur sort de foreuse qui est sur la tête. Donc, du coup, quand je fais voilà cette attaque-là, il faut que j'arrive à la faire en tombant, mais juste à côté, quoi. Pas trop loin d'eux pour qu'ils se mangent le souffle, en fait, de l'attaque, du poing. Sans que ça tombe directement sur lui, quoi. Parce que sinon, bah. Ça lui fait rien, même au contraire, c'est moi qui me mange les dégâts et qui me fait propulser au loin. Ouais, non, j'ai déjà tout ramassé, donc je sais même pas pourquoi. Je m'étais arrêté, je me disais, je vais checker, il y a quoi dans le combat. Non. J'ai déjà fouillé tous les niveaux du jeu, déjà de fond en comble, il n'y a plus rien à voir de plus. Hop. Alors vous voyez, il y a certaines choses qui est spécifique seulement à chacun des personnages, comme là, les pics là. Il n'y avait que Frozone avec son... Oh putain, le nul. On va se le faire comme ça. Que Frozone avec son attaque du gel qui pouvait le détruire. Et moi, la porte là, méga lourde là, il n'y a que moi avec ma super force qui aurait pu la soulever. Donc, ce qui est assez intéressant, hein, j'ai envie de dire, c'est ce style de gameplay là pour, on va dire, bah, pour du multi. Hein, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu là et en plus à deux. Franchement, c'est un bon délire, vu que moi je me souviens de l'avoir déjà fait à l'époque avec mon cousin. Et franchement, c'était un régal. J'ai que des bons souvenirs dessus. Et c'est même ça qui m'aura fait au final, bah, quand je me suis repris ce jeu, là que je suis allé jusqu'au bout. Il y a des moments où j'ai choqué dans le jeu, où je bloquais. J'avais plus envie limite de jouer, parce que ça m'énervait, parce que j'arrivais pas à passer une séquence, mais... J'avais encore des souvenirs qui me revenaient de ce jeu de l'époque quand j'y jouais avec mon cousin. Et ça a fait que bah, à chaque fois bah, je suis quand même revenu sur ce jeu et à force de revenir, et bah, j'ai fini par de nouveau réussir à finir ce jeu à 100%. Et voilà, c'est la petite histoire et j'en suis fier. Voilà, c'était le petit moment monologue, sortez les violons. Ah d'accord, là il n'y a pas de casse. Bon bah on va faire comme ça. Hein. Hop là, on va congeler ces sortes de crottes de nez, je sais pas trop ce que c'est là. Sorte de slime, ces bouts de slime dégueulasse. On dirait des grosses crottes de nez, quoi. C'est dégueulasse.
je sais pas, ça me fait penser à ça, c'est la forme, la couleur, le goût. Tac. Toi aussi, dégage. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh putain, je suis mort. Ok, bon bah. Là, normalement, en vrai, regardez, on peut pas tomber. Par contre, sauf si on saute. Si on saute et qu'on est en même temps dans le vide, là, par contre, on crève. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. J'ai sauté et attaqué avec ma planche. Mais j'ai pas su revenir. Et bon, bah voilà. En plus, au moment où j'avais besoin de lui, quoi. Super. Ah, merde. Allez, 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 allez. Ah, mais ça veut pas. Attendez, bon, bah. Ce qu'on va faire... On va le faire comme ça, hein. On va pas s'emmerder. Hop, tac, tac, tac. Vas-y, nique-moi ça, nique-moi ça. Merde, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vise-moi, vise-moi. Merde, il a rien chopé, ce con. Ouais, chope-lui, voilà. Voilà. Refais-moi des boules, s'il te plaît. Ah, des fois, il le fait lui-même, l'IA. Mais là, en l'occurrence, pas là. Oh, il est mort en plus, ce con. Oh, putain, c'est périlleux. Et des fois aussi, c'est ça, ce jeu. C'est des moments comme ça aussi. C'est des moments où là, t'es là à attendre que ton pote se revive. Parce que je peux pas l'aider, hein. Je peux rien faire, hein, pour l'aider à le réanimer plus vite, hein. Donc là, je suis là, j'attends. Comment ça, crevard. Bon, voilà, merci. Hop là, parfait. Balance ça dans sa gueule, c'est bon. Tiens, dans le cas où je t'en offre deux, en plus, voilà, si jamais t'arrives à choper ceux qui sont au loin derrière. Bon, t'as raté la première, la deuxième. Je suis même pas sûr que tu aies touché. Bon, c'était peut-être un petit peu loin, après. Oh, encore un trou, oh, c'est pas possible. Bon, là, cette fois-ci, il n'y a pas d'autres ennemis, mis à part ceux de devant qu'on a là. Ouf. Ouf, 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 ouf. C'était... Aïe, aïe, c'est vrai, c'est vrai. C'était peut-être pas un bon plan, ce que j'ai fait là. J'y suis allé tête baissée. C'était pas un bon plan. J'avais oublié qu'avec Frozone, j'avais pas beaucoup de life, en vrai. Limite, j'aurais même dû utiliser une de mes furies, en fait. Ouais, je suis con, c'est... Ah, c'est une tendance que j'ai remarqué, que j'ai souvent dans les jeux. C'est que je suis trop conservateur. Des fois, quand j'ai des power-up, des bonus et tout, que je pourrais utiliser, bah, je les utilise jamais. J'ai tendance à les conserver, mais trop, en fait. Limite, je les ai finalement à jamais les utiliser, quoi. C'est une tendance que j'ai, bah dites-moi, hein, si vous aussi vous avez cette même tendance que moi. Je pense qu'on doit être quelques-uns à avoir cette même tendance à vouloir trop conserver nos trucs, nos items, nos furies et tout. Bah on les utilise jamais au final. Ça va pas du tout, ça. Et on le ferait, on aurait moins de difficultés en vrai. Bah, reste tranquille, toi. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud là, je suis en train d'étouffer là, bordel de merde. Là on est en plein été là, enfin là on est début août en vrai, là au moment où je fais cette vidéo. La vache. Putain, il fait pratiquement 40 degrés. Là, dans la piole, là, il fait plus que 40. Hein. Ah, je suis dans un hammam. Et pourtant, vous me direz, ouvre la fenêtre, mais je peux pas. Le soleil est pile devant. Si j'ouvre, là, c'est fini. Je carbonise. Hein. J'ai envie de dire, en plus, là, que je suis en vrai déjà bronzé, mais là... Ah là, je vais être encore plus bien bronzé. Là. Ah là, non, je serai surtout bien grillé. Quoi. Ah, je serai plus que fumé, plus que boucané. Là. Allez, hop là, un petit coup de gel. Là. J'avoue, là, c'est pour ça aussi que j'aime bien le pouvoir de Frozone. Ah, un petit peu de gel là, qui refroidit là, qui fait du bien. Ah, c'est ce que je kifferais. Attendez, je vais utiliser le super pouvoir. On va pas s'emmerder. Hop là, toi, je te refroidis. Alors, également, il y a un truc que je pourrais faire aussi. Pour ça. Ah merde, il y a d'autres ennemis. Bon bah, on va pas prendre le risque du coup. Je vais vous montrer également un truc qu'on peut faire, mais il aurait fallu que je sois en 1v1 contre le type. Oh, il a niqué son propre pote. J'y rajoute un coup. Toi, tu dégages. Là, tac, tac, voilà, impec, en quelques coups de poing, je t'ai terminé. Là, on doit être pas loin de la fin du niveau. Je ne veux pas qu'ils sortent d'ici, éliminez-les, ce sera leur dernière demeure, ils ne verront jamais ma sortie. Attention! Ni tout le reste, c'est un grand jour pour le démolisseur! Oh là là,
Superbe, il se fait niquer à la fin, j'adore. Oula, oula, attends, attends. Voilà, vas-y, on y va. Attends. Ah merde. C'est bon, j'ai réussi. Je vais l'envoyer sur l'autre. Merde, raté. Bon, c'est pas grave, j'ai récupéré les points. Oh, bah, parfait, j'aime bien quand ils se battent entre eux. Vous allez voir, lui, il va niquer son pote. Tellement qu'ils sont cons. Je vais vous montrer un peu l'intelligence artificielle de ce jeu. Le niveau qu'elle a. Voilà, c'est bien résistant quand même, hein, j'avoue. Ah, voilà, il a fini par l'éclater. Vous voyez quand même un peu l'intelligence artificielle de ce jeu, quoi. Déjà, l'IA qui s'attaque entre elles, et même quand elle est congelée, continue de s'acharner. Non, c'est magnifique. Des fois, voilà, ce sont les plus costauds, hein, les gros qu'on a vus là, mais c'est pas les plus fuite non plus. Hein. C'est... l'intelligence artificielle a ses limites. T'as plus aucune chance. Et à notre merci. C'est certes de l'intelligence, mais toujours artificielle. Hein. Avec ses propres limites. Bon, là, je vais envoyer une petite furie, là. Allez, c'est parti, la petite furie. La petite furie qui fait plaise. Voilà, on enchaîne. Merde, je l'ai raté. Oh, plus, je le termine. Parfait. Il y a quelqu'un d'autre qui en veut encore, ou... Je crois que c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. Tout le monde a eu sa dose, tout le monde a eu sa raclée. Ça, c'est une affaire propre. Rondement mené. Toujours. Que c'est que ça. Bon, par contre, mis à part Frozone qui est mort une fois. Renverser la planète. Il faut qu'on trouve le démolisseur. Et vite. Le maniomiseur. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça fonctionne. Le maniomiseur, hein. Le maniomiseur. Maniomiseur. Ça, c'est un nom, ça. Par la centrale à bout. Maniomiseur. C'est une sorte de machine géante. Maniomiseur. On va sortir près du maniomiseur par une des petites stations de pompage. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ça va faire mal. Allons trouver ce maniomiseur. Le maniomiseur. Avons fait des points. Ouais, ça va, c'est assez équivalent. J'ai fait à peu près 1500 points, enfin moyenne en termes de dégâts, Destruct Shock et Vague de Glace. C'est à peu près deux attaques équivalentes, adaptées à chacun des deux bonhommes. En gros, c'est sauter puis attaquer en fait. Là, sur Frozone, quand on fait ça, bah ça sort la planche de surf et pff, on peut niquer plein de mecs comme ça. Oh, c'est trop délire. Mais avec Mister Indestructible aussi, c'est fandard aussi. Hein. Quand il y a un bon paquet d'ennemis, vous sautez, puis vous faites une attaque, il met le coup de poing à l'attaque dans le sol. Ça fait une onde de choc. Pouah, ça dégage là tous les ennemis au loin. Ah, c'est frais. Par contre, ce qui est chiant, c'est avec plus tard, vous verrez des ennemis qui ont des boucliers. À ceux-là, ils sont un peu plus casse-couilles. Mais ça va. Ça le fait. Et on enchaîne sur le prochain niveau, du coup. On est à quoi? À peine un peu plus de 20 minutes de vidéo. Je sais pas combien d'épisodes va faire ce let's play, mais... là, bon, après, on est qu'au début du jeu, donc les premiers niveaux passent assez vite. Mais je trouve qu'on avance bien, tout de même. Bon, celui à ce niveau-là, par contre, je crois qu'il est un peu plus long. Ça doit forcément mener à une machine infernale. Ce machin était indiqué sur une carte. Là, tac. Qu'est-ce qu'il fait? Non, lui, attaque lui. Oh putain, sale merde. Bon, il faut faire gaffe parce que lui, il va activer son attaque. Là, il a son bouclier. Justement, j'en parlais tout à l'heure, des ennemis qui ont des boucliers. Je pensais pas à lui, à d'autres. Je pensais à d'autres ennemis, mais c'est vrai que lui aussi, il est chiant. Mais le truc, c'est une fois qu'il a utilisé son attaque, il n'y a plus de bouclier. Et il est vulnérable pendant un moment et on peut en profiter pour le niquer. Hop là, toi... Je te transforme en glace. Toi aussi. Hop là, impec. Allez hop, on change de bonhomme. Là, reste là-bas. Allez, hop. Non, vas-y, putain. Allez. Ah, des fois, c'est compliqué, hein. Il faut vraiment se positionner presque au pixel près. Allez, ah putain, voilà, allez. C'est bon, impec. Et le pont s'abaisse. Tire la chevillette. C'est le tireur là. Hop là, parfait. Il y en a encore un dernier ici.
Impec. Tac. Alors je le fais vraiment en deux spi, hein, là, parce que là c'est la partie facile du niveau, j'ai envie de dire un peu. Il va attaquer, merde, c'est pas trop près. C'est pas grave, t'auras pas le temps de fuir, salaud. Voilà, lui il va attaquer aussi. C'est bon, je vais te congeler à ton tour, tu vas pas aller bien loin, je te le dis. Toi aussi. Hop, ça y est, problème réglé. Et ensuite, on a de nouveau des robots qui se pointent, mais ça va. Ceux-là, ils sont faciles à niquer. Enfin, je veux dire, faciles à détruire. Ouais, désolé, oui, des fois, je m'en rends pas compte, hein, mais j'ai un langage assez soutenu. Enfin, assez vulgaire, tout simplement. J'ai assez soutenu, oui, pour pas dire vulgaire, quoi. Oui, oui. Je m'excuse, pardon. C'est une sale habitude. Allez, vas-y, viens par là. Hop, un pec. Oh bah tiens, un autre. Ah, mur invisible, je peux pas le niquer, fais chier. Ah pardon, j'ai recommencé, j'ai redit niquer. J'ai pas fait exprès. Hop là, il y en a d'autres ou quoi? Non? Si? Ah, si, si. Hop là, c'est bon, on les a tous eus. On peut continuer. Bah fais gaffe à pas crever, hein. Là t'as failli tomber, Marc. Hein. Ah bah il est tombé. Il est tombé en fait. Parfait. Hop, toi tu vas pas plus loin. Ah oui, c'est les barges dans ce niveau, putain. Putain, j'ai trop chaud. Oh la vache. Je suis en train de mourir de chaud, hein. C'est horrible. Ah, je sue là, mais... Aïe, aïe, aïe. Dégage. Tu vas te montrer ça dans la gueule. Parfait, ça c'est réglé. Oh, t'inquiète. C'est... Au moins ce sera biodégradable pour le métal, quoi. Ça fera fondre directement le métal. Comme ça on pollue pas, ça c'est bien ça. Bah c'est même plus de la flotte, hein. Là c'est de l'acide, hein, sur lequel on est en train de voguer là. En tout cas ça en a la couleur. On y va, let's go. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Ça a ramé là, puissamment. Pourquoi ça rame là? Qu'est-ce qui se passe? Ça, ça a ramé. Ça, là, c'est revenu. Putain, c'est dingue. Je sais pas pourquoi ça s'est mis à ramer d'un coup. Là. Hop là, tac. Bon, est-ce qu'il y a des caisses? Non, je les ai tous éclatés avec mes attaques. Ah bah ouais, je crois bien. Ouais, ouais. Ouais, je les ai bien tous éclatés. Bon, bah, on va faire des sortes de boules avec ça. Des boules de glace. Si ça veut bien fonctionner. On va en faire encore une. Si ça veut bien, hein. Ah d'accord, on peut peut-être en faire qu'une seule à la fois en fait. D'accord. Bon, je croyais qu'on pouvait en faire deux. Bon, heureusement, il y a des caisses sur la plateforme ici. On va pouvoir niquer l'autre. Mais pourquoi ça rame là? Il y a des putains de ralentissements là, c'est ouf. Je sais pas pourquoi j'ai des ralentissements comme ça là, mais c'est dingue. Allez, come at me, venez à moi, et hop, c'est parti pour l'ult. Voilà. Hop, on va soulever ça. Attends, on a détruit tout le monde. Un seul finish de ouf, là. Ah, ça, c'est frais, ça. La puissance des finishes qu'on a.
Alors, je suis désolé, par moment, je pourrais peut-être m'entendre plus trop parler ou être concentré. En fait, c'est également que je fais le lit un petit peu aussi, je vous avoue, avec la chaleur qui fait là, c'est... Ah, c'est pas des conditions faciles, hein, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment... Entre un jeu qui rame, et je ne sais même pas pourquoi, parce que là, il avait ramé avant, ou à peine. Et là, ça a tendance à persister un peu, bizarrement. Et la chaleur qu'il fait là, c'est en train de me mettre KO. Oh bah parfait, j'ai niqué les trois avec un seul tir. Oh génial. Tu t'amuses comme un petit fou, hein. Ah, y'a des lasers. Ah ouais, merde. Putain, il va falloir sauter. Hop, je dégage. Oh putain la vache, comment j'étais loin. Attention Frozone, attention. Bon bah, il n'a pas su sauter, il est mort par le laser. Il s'est fait tuer par le laser. Il y en a un autre encore à venir. Tiens, dégage au loin toi. On va laisser le laser encore se rapprocher un petit poil. Un petit poil. C'est bon, parfait. On va récupérer un finish en plus pour Marc en plus direct en descendant. Ça c'est génial. Parfait. Je vais m'occuper d'eux direct avant qu'on décolle par contre. Hop là, ça c'est impec. Ah bah tiens, voilà. Il va manquer un dernier. Voilà. Hop. Fait chaud, mon dieu. Oh si, c'est horrible, je suis en sueur. Faut un rafraîchissement. Bah alors, il avance le putain de bateau à la con ou quoi là? Ah c'est bon. Bon là, ah si, il y a quand même des ennemis qui se pointent. Alors s'il y en a d'autres, ouais. Oh, dans le laser. Hop. Et ensuite, ouais, et là-bas, c'est la fin du niveau. Enfin, il y aura encore des ennemis à éclater également. Et un système, un mécanisme à enclencher. Oh, putain, vous êtes là, vous ? Fallait prévenir, fallait appeler, merde. Oh, faut pas nous prendre par surprise comme ça, voyons. Après, on sait pas accueillir après. Oh, voyons. Hop là, on enclenche ça. Oh, il va très certainement la réenclencher derrière. Hop là, toi, tu meurs. Hop là, toi aussi. Hop. Allez, vas-y, soulève ça avant qu'il réenclenche le système. C'est bon, parfait, on a réussi à détruire la machine. Impec. Bien vu, Frozone, c'est vrai, c'est une tactique aussi également. C'est ce que fait Kimi Raikkonen également, hein, pour éviter de se faire inviter à des galas auxquels il n'a pas envie d'aller. D'une certaine manière. Bien, bien, bien. On a encore fait pas mal de points. C'est cool, c'est cool. On progresse bien de manière assez rapide également. C'est sympa, c'est sympa. Là, on est au quatrième niveau, si je me trompe pas, je crois. Après une demi-heure de vidéo. On progresse bien. Je vais pas vous dire il y a combien de niveaux dans le jeu quand même. Pour pas vous spoiler néanmoins. Et dire que je commençais juste à me réchauffer. Mais je trouve que là, on avance plutôt pas mal. Le protecteur de l'ultime. Là, tac, ce jour parfait. Gravé dans la mémoire des habitants des profondeurs. Merde.
Putain, monsieur indestructible a enclenché l'alarme. Il a enclenché les lasers, ce con. Merde. Putain, je vais le congeler, lui. Je vais le congeler. Je vais le congeler, j'ai dit. Merde, je vais le congeler, lui. Vas-y, vas-y, chope-le, chope-le. Voilà, parfait. Hop, dans leur gueule, parfait. Ah, il a survécu quand même. Aïe, putain, direct sur sa gueule, merde. Voilà. Non, on gère bien là. Non, mais non. Oh, oh merde. Oh, wow. D'accord, ok. Dommage, bon, j'ai voulu faire un peu trop mon téméraire. Un peu trop. Un peu trop. Bon. Voilà, cette fois-ci, on attend que ça se barre. Voilà. Tiens, du Frozone, j'étais à portée de main. Ce que je te propose, c'est que je t'envoie sur ton pote. Ah oh, merde. Il a été contré par un de ses mini-moys. Je sais pas, enfin, on va les appeler comme ça par rapport à l'écart de taille qu'il y a entre eux et lui. Je vais me le faire direct à main nue. Hein. Hop, voilà. Aïe, putain. Voilà, dégage. Toi aussi, dégage. Parfait. C'est du propre. Comme l'émission des M6. Paye ta référence. Et, ah oui, bah tiens, tant qu'on est là, ici également, alors vous voyez pas, mais vous pouvez le voir normalement, il y a un bonus également derrière, vu que j'ai déjà ramassé, vous voyez pas. Mais sinon, ici, là, vous pétez ce mur-là, et juste ici, il y a un bonus à récupérer également. Les bonus, en fait, c'est pour la galerie d'art, voir les artworks et tout, pour débloquer ce genre de conneries. Voilà. Ce n'est qu'un détail, mais pour ceux ouais, qui veulent, voilà, j'en profite pour disséminer quelques petits détails, quelques petits tips. Quelques petites astuces par-ci, par-là. C'est offert, c'est cadeau. C'est offert par la maison, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, j'y tiens. Tac. Et de 1, et de 2. Affaire conclue. Hop, lui aussi. Ah, bon, bah, je suis passé à travers. Bon, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Là, je vais reprendre Frozone, tiens, un petit peu. Aïe, ah ben je l'ai pas vu, il y avait lui. Mais tu vas l'éclater ce con. Hop là. Tac. Merde, putain c'est dingue ça, genre il y a des morceaux de glace comme ça qui poussent du sol là pour les protéger. L'apocalypse commence. 10, 9, 8. Des morceaux de glace qui sortent du sol. Oh là, ça sent la merde ça. Ouais, 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 non, mais je le sentais, je m'en doutais. Hein. Forcément, lui aime. Oh non, et eh ben moi aussi. Je me suis fait avoir. Bon, heureusement, ça va. Ils sont gentils avec les checkpoints. Il y en avait un non loin derrière. Bon, du coup, là, on. Si j'aurais pas déjà eu, on n'aurait pas réussi à finir ce niveau en mode invaincu. Oh putain, mais non, deux fois. Oh putain de merde. Oh la vache. Sérieux, on va pas me dire que le truc le plus dur là que j'aurais eu à faire dans ce jeu là, ce serait de passer un pont là. Genre passer un pont s'avère être plus dur que de niquer les ennemis qu'on a dans le bestiaire de jeu. Oh mais non mais oh ça va, 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 on s'en sort pas trop mal. C'est bon, bon mon collègue lui s'en est bon pas sorti par contre. Bon je devrais annoncer la nouvelle à Elastigirl, ça va pas être facile, également à ses gosses. Ça fait un honneur de. De combattre le crime aux côtés de Marc. Oh, ah non, il est revenu. Ah, heureusement, c'est un jeu vidéo quand même. Et que c'est un dessin animé. Oh, c'est magnifique ce monde. Quel monde merveilleux. Où les héros ne peuvent pas crever. C'est ton idée après tout. Où les gentils ne peuvent pas mourir. Oh là, quel comité d'accueil. J'y travaille. Arrêtez, arrêtez. Bon. Comment va-t-on faire? Je serais tenté de. Ouais. T'approches pas trop, Marc. Ah, laisse-le niquer son pote, lui. Vas-y, nique-le, nique-le. Tu le niques pas, là? Non, mais tu es dedans, tu es en lui, là. Tu es littéralement en lui, là. Là, tu l'encules, là, littéralement. Et genre, il se passe rien, d'accord.
Ah bah si, maintenant il se passe quelque chose. Ah, ça a mis du temps quand même. Hein. C'était pas une peine facile, ça, j'ai envie de dire. Hein. Hop là. Tac, impec. Et on va détruire ça. Merde. On va détruire ça. C'est bon. En route. On va aller checker de l'autre côté maintenant. Là. Ouais, j'espère que j'aurai le temps à finir le pont avant que... Ouais, si c'est bon, c'est bon. Du coup, on va utiliser Frozone. Hop là. Pour utiliser son finish. C'est impec. On les a tous niqués d'une traite comme ça. C'est plus rapide. On se fait moins chier. Plonger dans les ténèbres, hein, dis-tu. Intéressant comme plan. Hop, si. Ah oh, bah c'était peut-être pas nécessaire en vrai. Je pensais que j'allais niquer les deux derrière aussi, mais en fait non en vrai. Merde. Comment. Voilà. Pendant un instant, je me disais comment tu fais pour choper les trucs. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Merci Frozone d'avoir fait des boules. Ce serait bien par contre que tu... Non, pas la porte, putain. Les ennemis. Non. Oh putain, casse les couilles, quoi. Non, mais sans déconner, quoi. Il vise la porte à chaque fois. Bon, au moins, maintenant que la porte est détruite, c'est sûr qu'il visera plus la porte, maintenant. Mais bon, ça, c'est réglé. Zone, tiens, ça ce sera pour toi. Comme ça, ça va t'en faire un de plus. Hop là. Alors fais gaffe de pas crever Frozone hein, également. Ce serait pratique quand même. Voilà, ça c'est fait. Ah merde, putain, saloperie. Mais défends-moi toi, connard. Rends-toi utile à quelque chose pour une fois, bon dieu de merde. Prouve que t'es pas un bon à rien. Voilà, parfait. Ça, c'est réglé. On va pouvoir avancer tranquillou à présent. Waouh. Ouais. Là, c'est sûr, à tous les coups, on va encore avoir des hordes d'ennemis qui vont nous tomber dessus. Ça le sent, à tous les coups. Ah putain la vache, il m'est tombé littéralement dessus l'autre, quel enfoiré. Ah j'ai eu personne. Waouh. Ok. La vache. On va faire ça. Oh, on s'emmerde pas, hein, bah oui. On se fait pas chier ici. Oh, on est arrivé. Donc, on fait gaffe de soigneusement éviter les projos. Aïe, putain! Genre, bon. Frozone, il a fait du surplace. Je sais pas comment il a fait, mais. Il n'y a rien qui n'a pas bougé. Bon, les quelques ennemis d'ici, c'est fait. Hop. Tac. Ah, lui, il est pas mort, il est passé derrière, mais il est pas mort. Ok, ça, c'est réglé. Aïe, merde. Cette fois-ci, je vais le niquer. Voilà. Et eux, je vais les finir avec un finish, tranquillou. Et voilà une affaire, encore une fois, rondement menée. Je crois que c'est le bon endroit. Tu crois qu'on niveau terminé. Ah, désolé, à la limite, je parle plus, mais vraiment, pour être honnête avec vous, hein, c'est...
C'est pas par rapport au jeu ou quoi, hein, mais c'est en fait qu'il fait juste putain de trop chaud là. Je devrais arrêter la vidéo en vrai là. Je suis à combien, 3 quarts d'heure. Bon, allez, on se fait encore un niveau. On fait un niveau comme ça, ça devrait faire une heure pour ce premier épisode. Mais là, wow, je suis dans un état là. Et il fait tellement chaud. Ça va, hein, j'ai pas la tête qui tourne ou quoi, tranquille, hein, ça va. Mais c'est juste que je suis en train de suer, mais de ouf. C'est dingue tellement qu'il fait chaud. Putain, en pleine journée de canicule, j'ai décidé de faire une vidéo, quoi. Il a fallu que je fasse une vidéo en pleine canicule, quoi. Non, mais parfait, quoi. Super. Moment opportun. Allez, on continue. Dernier niveau pour ce premier épisode sur les indestructibles, l'attaque du démolisseur. La terrible attaque du démolisseur. Dans quelques instants, il ne restera plus que lui. Après avoir calculé la somme des forces magnétiques de la Terre, je vais me concentrer pour inverser les pôles et faire pivoter la planète. Tout sera détruit à la surface. La poussière voilera le ciel et le soleil ne sera plus qu'un lointain souvenir. Ce sera le monde à l'envers. Mais il est malade! Je suis le gardien du Manuelzer. Pour continuer la visite ou quitter cet étage, vivant, vous devez me montrer vos badges de scientifique. Et pour l'éteindre? Pour l'éteindre, l'énergie de cette superbe machine provient du sous-sol d'une grotte sous-marine. Pour visiter la centrale d'énergie et de pressurisation sous-marine, vous devrez d'abord me vaincre et prendre rendez-vous avec le gardien de la centrale, Doc. Le manomiseur est prêt à fonctionner à pleine puissance et le manomiseur. Le magnum. Le manomiseur. On n'a pas l'intention de le débrancher. On va le bousiller, le réduire en miettes. Détruire le manomiseur. Manomiseur. Mais peut-être pourrais-je vous convaincre de fuir une mort certaine. Oula. Le changement d'attitude radical. Et on... Du coup, ouais, c'est le premier niveau boss. Le premier niveau boss de notre aventure. Bah parfait. On va finir ce premier épisode sur le premier niveau boss. C'est impec. Sa puissance est phénoménale. Je n'ai pas eu. Ah, fait chier. L'acheter, là. Yes. Touche encore une fois et c'est bon. Ce sont des noyaux magnétiques alternatifs. Parfait. Là, il va nous envoyer une première horde d'ennemis. Je crois que la planète commence ainsi. Votre visite touche à sa fin. Hop là, tac, ça c'est réglé. Toi aussi c'est réglé. Mais putain, what the heck? Des fois j'appuie sur le bouton sauter, il saute pas ce con, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fout. Oh merde, putain, non. J'étais bien positionné en plus, je l'avais easy. Ouais, parce que là, ouais, il va attaquer avec ses putains de boules là. Bien chiante, mais putain, mais pourquoi ça target pas? C'est quoi ces conneries? Target, pour une fois dans ta vie, target. Target quelque chose dans ta vie. Voilà. Cible, un peu cible. Oh là là. Ça passe au ras du cul, hein. Pas... Oh là, putain, il y a deux boules. Il y a deux grosses boules. Et voilà, lui, c'est fait. Comme ça, au moins, lui, il va pas essayer de nous attaquer avec son putain de blaster à la con, là. Voilà. Mange-toi ça, tiens. Hop. Oh là 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 là. Limite, ça me rappellerait des souvenirs de Tintin Objectif Aventure, là. Hop là, parfait. Deuxième vague. On va utiliser un finish, je pense. Ouais, on va utiliser un finish. Avec un Mister Indestructible. Tiens, on va utiliser Marc. Parfait. Il y a encore quelques ennemis avec des blasters qui vont se pointer là. Hop, tu dégages. N'hésite pas à me protéger, hein. Aïe 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 aïe. Dégage. Voilà. Oh là 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 là. Des putains de météorites qui passent, hein. Tranquille.
parfait, on enchaîne, on est bien là. On est bien. Oh, parfait, impec. On l'a bien enchaîné là. Oh, parfait. On l'a fait en 2-2. C'est-à-dire que la première fois, j'en avais quand même. Enfin, chier. Un petit peu, c'était assez épique la première fois. Mais une fois qu'on a compris comment le battre, on peut le battre en 2-2. Vous voyez, là, des fois, l'avantage de faire un jeu déjà au moins une fois avant, en avance, avant de le faire en vidéo, bah, c'est que ça permet d'avancer plus rapidement dans le jeu et de mieux anticiper les choses, d'aller plus vite. Là, en l'occurrence, vous voyez, là, si j'aurais fait en découverte en même temps ou redécouverte, du coup, là, je me souviens que j'avais quand même passé pas mal de longues minutes sur ce niveau boss hein, avant de réussir à le battre. Alors, j'ai peut-être réussi en first try ou pas. Si, ouais, peut-être en first try, j'ai réussi, mais... Bon, c'était long, hein, néanmoins. Là, c'est allé... Putain, en deux temps, trois mouvements, c'était... impec. Rapide comme l'éclair. Bien. Du coup, on est à combien de temps de vidéo 50? Je pense qu'on va s'arrêter ici, non? Ouais, c'est bien qu'on s'arrête ici pour ce premier épisode. J'espère qu'elle vous aura plu. Un épisode, donc. Qu'il vous aura plu. Ah, putain, avec cette chaleur-là. Oh, je suis dans un état... Oui. Je suis flagada, brumeux un peu, c'est... flagada, oh putain la vache, depuis le temps que ce mot n'avait plus été utilisé. Bref, on va se laisser ici donc pour ce premier épisode, pour notre let's play sur les indestructibles et la terrible attaque du démolisseur. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'il vous aura plu. Je vous donne très bientôt rendez-vous donc pour la suite de ce let's play ainsi que d'autres vidéos également. En attendant, comme toujours, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Et moi, je vais aller me mettre un petit coup au frais là, parce que là vraiment, j'en peux plus. Allez, salut tout le monde. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait chaud, sa mère.